Certains habitants se seraient disputés avec la Parliament Private Secretary, Subhashini Lakshman Roy, qui effectue un constat des lieux dans la localité. La cause principale est un problème individuel où deux murs ont été mal construits dans le passé. Dans une déclaration à Top FM, Subhashini Lakshman Roy a souligné que l'autorité cherche des solutions. J'ai fini de publier vidéo là parce que je suis content de cette vidéo là parce qu'à aucun moment, il n'y a aucune altercation et aucun habitant de Cité Vallée des Prêtres parce qu'au contraire, nous allons comme pour trouver solution pour habitant avec l'équipe de la municipalité de Port-Louis, camarade Daniel Laurent, qui d'ailleurs le président Works Committee aussi, qui tient ensemble avec nous. Nous venons faire JCB rentre là-bas, hier ils tiennent inside visite, nous pouvons faire travail là suivre. Au contraire, problème qui nous levait là-bas, c'était entre les voisins. Parce que qui fait, ça n'a pas d'accord, le talent mettait le mirail, le talent pas d'accord, ça n'a pas mirail. Entre les voisins, vous êtes tombé à accordité, mais nous en tant qu'autorité, nous ne pouvons pas rentrer, dire comme ça, là, nous pouvons venir, craser le mirail, on dit. Et nous avons toute une procédure à suivre, parce que si nous craser le mirail, nous pouvons appeler moins 15-20 personnes encore plus. Alors, nous pensons qui, comme on prend les ingénieurs de la municipalité de Port-Louis, comme on prend le président de Works Committee, Daniel Laurent, avec moi, nous allons trouver une solution concrète pour ces habitants-là. Et l'altercation, je ne vais pas trouver une vidéo là, mais vous pouvez dire, franchement, l'altercation, c'était entre les habitants. Et moi, invite vous, je vais dire encore une fois, Alvin, il est tout dans la cité Vallée-Prêtre, je vais prendre l'information. Mais si ça m'a dit qu'il envoie une vidéo là, c'était un agenda caché politiquement, mais crois-moi, d'un moment terrible comme ça, c'est ce qui message de paix qui nous fait passer entre les habitants là-bas, c'est qui nous serre coude ensemble. À la rencontre d'Oudesh, un habitant, nous avons appris que les députés et les autorités concernées sont toujours absents sur le terrain. Gros du bon vin devant nous la porte. Tous les temps, les députés là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas pour faire aussi connaître qui problème. Hein, est-ce qu'il y a un problème là qui est là? Dernière fois, mon téléphone, zut, problème de l'eau. Téléphone madame là, il dit moi le téléphone CWA, CWA pas pour en compte. Ou NPPS. Ou bien téléphone ministère, c'est qui contrôle de l'eau là, ou bien il fait avouer un camion de ou c'est conception, ou dit moi CWA pas prendre au téléphone. Pour sa part, Oisir, un manchant de Gâteau-Pima, s'interroge sur les personnes qui ont pu donner l'autorisation à la construction de leur maison. En fait, ils ne rentrent pas tout. Ils rentrent devant, ils ne rentrent pas derrière. Et quand la pipe est finie tombée, ils ne vont pas y aller. Parce qu'ils viennent à la place pour y aller. Vous connaissez, la nature, ils doivent se faire. Ils viennent à la place pour y aller. À ce moment-là, ils bouchent, ils mettent des mirailles partout. Ça m'a miraille là, c'est un man barrage extraordinaire. Quand rapide à part un miraille là, ça fait mon démettre de rentrer dans la cour du monde. C'est ça, nous verrons de solution. Et ça m'a un problème de gagner là. Pas avec Mme Subhashini, non. Il n'y a aucun problème avec lui. Personne n'a pas de problème au lit, personne n'a pas de lit, comment maintenant vous pouvez mettre l'eau, vous pouvez mettre l'eau partout, il mentit. Situé dans la circonscription numéro 4, Port-Louis Nord et Montaille-Longue, Vallée des Prêtres témoigne du manque d'attention de ses dirigeants politiques. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.